Il y a un gros problème à la CAF avec les trop perçus et les dettes. Je t'explique ça tout de suite. Avant de commencer, vous êtes nombreux à avoir ce problème de dette et de trop perçus. Alors, n'oublie pas de mettre la vidéo dans tes favoris pour ne pas la perdre. Abonne-toi car je partage toujours les meilleures infos et astuces pour gagner de l'argent. Et par solidarité, c'est important, partage cette vidéo avec toutes les personnes que tu connais, peut-être ils vont en avoir besoin. C'est parti. J'ai reçu énormément de commentaires me disant « on m'a supprimé mes allocations, on les a réduites » ou j'ai reçu un courrier ou un email me demandant de rembourser un trop perçu. D'ailleurs, n'hésite pas toi aussi à me raconter tes problèmes ou à me poser tes questions dans les commentaires si tu en as besoin. Et si tu veux gagner 100 euros par jour, va tout de suite sur le site que tu vois affiché à l'écran. Pour les problèmes de la CAF, la première chose à faire est de déposer une réclamation immédiatement. En effet, ils sont en train de passer de la déclaration annuelle de revenus à la déclaration trimestrielle qui arrive bientôt. Cela entraîne des grosses erreurs de calcul. Il peut arriver qu'on te demande de rembourser plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Mais ne t'inquiète pas, comme je t'ai dit, tout devrait rentrer dans l'ordre bientôt. Tu devras faire une déclaration trimestrielle, c'est-à-dire indiquer tes revenus des 3 derniers mois. Ainsi, il y aura une régularisation et tu pourras bénéficier d'aides en fonction de tes revenus récents. Je vais rester à l'affût des dernières informations, alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de meilleures astuces et informations pour gagner de l'argent. Par solidarité, comme je t'ai dit, partage ces informations avec le maximum de personnes, peut-être ils vont y avoir besoin. Et lance-toi!